Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je pensais que je vous donnerais des petites nouvelles de cet hiver. On est un peu dans la deuxième partie de l'hiver. L'hiver a commencé, on a finalement un bon 50 cm de neige et des froids un peu plus polaires qui ressemblent un peu plus à l'hiver parce que jusqu'à présent on a eu... Jusqu'à présent, on a eu un hiver assez doux. Donc ça fait du bien d'avoir des vraies températures d'hiver. On est descendu dans les moins 35. Là, on est un peu plus dans les moins 15, donc c'est un peu plus normal. Et je pensais que je donnerais des nouvelles pour faire une update sur comment on est côté hivernation, la caravane. Comment on est au point de vue du bois, de ma réserve de bois. Comment on en est par rapport à la nourriture. Vu que pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, je récolte toute ma nourriture, enfin la plupart de ma nourriture principale. Et on est avec un magnifique coucher de soleil. Il y a une vingtaine de chevreuils qui bougent de tout en haut jusqu'à en bas ici, là, dans la partie des habitations de là où je reste. Il y a les chevaux là-bas et le coucher de soleil ici. Les ours sont en hibernation. Il y a un cougar qui se trouve dans cette partie-là, qui commence à descendre un peu vers les habitations. Donc on va... j'ai vu quelques traces. Ça c'est Léo et un chevreuil. Et il y a les habituelles hordes de coyotes qui chaque semaine viennent et font le tour. Maintenant avec Léo on leur court après pour leur dire restez pas ici. Descendre vers le ruisseau et ce que je vois, waouh, assez intéressant, le ruisseau qui en général coule tout l'hiver, il a complètement gelé, c'est magnifique mais c'est assez intéressant. Alors il y a de l'eau dessous mais il a bien gelé et écoutez ça, on va essayer, écoutez ça, est-ce que vous entendez? Il y a l'eau qui coule juste en dessous. Je vous parle de ce ruisseau-là parce que ce qui est très intéressant avec les ruisseaux, c'est qu'ils peuvent vous donner de l'eau toute l'année si vous aviez un problème. Et on est sur un puits au ranch, là où se trouve ma base, où je suis pour l'hiver. Mais là, on a des droits sur l'eau ici, qui fait que s'il y avait un problème, on pourrait s'approvisionner en eau ici. Et tout à coup, ça devient un problème si eh bien, le ruisseau gèle. Ça prend beaucoup plus d'ouvrage pour récupérer son eau. Parce que déjà, il faut faire une petite rando avec des seaux d'eau et venir avec un marteau ou une hache pour eh bien, récupérer l'eau. Et c'est beaucoup plus difficile. Mais ça reste qu'il y en a quand même. Je parle souvent de nourriture en termes de résilience, mais je ne parle pas souvent d'eau, même si j'ai fait déjà une vidéo sur l'autonomie en eau qui est disponible sur ma chaîne. J'ai fait ça, je pense, l'an passé, au printemps dernier. Mais en hiver, ça devient une toute autre opération d'avoir de l'eau quand vous vivez dans des contrées aussi belles qu'ici. Le problème, c'est que tout gèle et ça devient un peu votre objectif, c'est que rien ne gèle à l'intérieur de là où vous vivez. Donc moi, à l'intérieur de là où je vis, j'ai un poêle à bois, une fournaise qui
Enfin, c'est un poêle à bois qui produit beaucoup, beaucoup de chaleur, ce qui est très agréable, comparé à d'autres années où j'étais dans le froid et j'étais un peu miséreux, misérable. Voilà donc la question de l'eau. Si vous avez un ruisseau, eh bien après, il y a plein de manières d'avoir votre eau, de l'eau courante. Et l'eau, c'est la vie. Et même en hiver, vous voyez, même si on est rempli de neige, l'eau est gelée, mais en dessous de la glace, l'eau. Et comme disait l'autre, sous les pavés, la plage. Mais ici, c'est plus sous la glace, l'eau, parce que l'eau, c'est vital. La plage, c'est pour ceux qui s'ennuient. Quel beau paradis blanche d'or, vous avouez. Qu'en est-il de notre petite réserve de bois? Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo qui montre toute ma réserve de bois, comment je l'ai accumulée au fur et à mesure j'allais dire de l'été, mais plutôt de l'automne. Alors on a trois rangées en tout, et je viens de passer à travers à peu près 4 stères déjà, ou 3 stères. En tout, il y avait 14 stères. Et donc on est fin janvier. Donc finalement, c'est un bon ratio. C'était mon premier hiver avec ce poêle à bois là. Alors parmi tout ce bois, il y avait pas mal de bois qui était pas encore totalement très très sec. Donc je dois faire des mélanges de bois. Quand on a un poêle à bois, par exemple, ce bout de bois, il est assez sec. On va le mélanger avec, disons, ce bout de bois ici. On peut voir, il y a un peu plus d'humidité. Et donc je les mélange comme ça, ces bois là vont durer plus longtemps, donc pour la nuit c'est très très bon. Et pour partir le feu, on veut du bois qui est très très sec. Donc c'est très très important en fait de faire des mélanges de bois comme ça. De mettre un peu de bois très très sec et de bois un peu moins sec pour alterner. Et faire durer son feu le plus longtemps possible, vu que je chauffe tous les jours au poêle à bois. Donc ça me tient bien. Je pense qu'il va en rester à la fin de la saison. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il va rester vraiment le bois, ce qui est bien parce que ça nous laissera du bois pour la saison de camping, où je pourrais avoir une petite réserve de bois dans mon camion. Comme ça, c'est toujours bien d'avoir du bois pour faire des feux de camp, etc. Donc voilà la partie bois.
Blocage. La caravane est-elle bien hivernée? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo sur la structure que j'ai faite en rondin de bois pour avoir une forme de toit qui permettrait de supporter un peu plus de neige. Parce que ma caravane, elle est un peu vieille et j'ai un peu peur qu'il y ait trop de neige qui s'accumule et qui devienne un peu trop pesante sur le toit. Donc j'ai fait une structure qui se trouve sous cette bâche là. Et jusqu'à présent, on peut voir que ça tient bien. On voit bien qu'il y a une bonne couche de neige. Et je pense que là, on est bientôt dû pour déblayer cette couche de neige là, juste pour pas prendre de risque. On va enlever une petite couche pour aider notre structure. À l'intérieur, je vous avais montré que j'ai hiverné avec du liquide anti-gel juste pour être sûr. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet à la plomberie de ne pas exploser sous la pression de l'eau glacée. Même si l'eau, il n'y a plus d'eau dans la caravane, il n'y a plus d'eau qui rentre, il n'y a plus de système d'eau. J'ai aussi la petite EcoFlow à laquelle je branche un système contre les souris et les rongeurs à ultrasons. Alors ce truc-là, ça marche, ça les repousse, mais évidemment, ça ne les tue pas. Donc elles vont chercher toujours les souris à faire une maison ailleurs, quelque part d'autre. Ça consomme aucune électricité et ça fait des ultrasons pour repousser les rongeurs. Donc c'est assez utile, vous la mettez sur la petite batterie. Comme ça, ça va durer à peu près un mois. Ça fait un mois que j'avais cette. Là, je viens de la recharger. Ça faisait un mois qu'elle faisait marcher ça. Donc, à part par grand froid, ces choses-là, ça marche très très bien. Donc voilà pour la caravane. Il n'y a pas grand-chose autre pour la caravane, hormis la neige. Ici, il faut dire que la neige, elle reste jusqu'à à peu près mars-avril. Mais ensuite, elle s'évapore. La neige, elle est très... On est dans un hiver très sec ici, on est dans le désert. Désert en altitude, donc il neige, mais à la fois, cette neige-là, elle n'est pas humide, elle n'est pas lourde. Elle est très poudreuse, c'est le paradis de la poudreuse ici. Donc voilà notre petite roulotte. Et en termes de nourriture, de réserve de nourriture, eh bien ce que j'ai, c'est un congélateur où j'ai mon chevreuil et d'autres viandes que j'ai échangées avec des amis, avec d'autres personnes en échange. Je fais des échanges de biens et de services et qui me permettent d'être autonome en protéines sauvages. Moi, je ne consomme que des choses qui sont en pâture autour de chez moi et que je peux récolter moi-même et qui poussent autour de chez moi. Donc, ça va me tenir au moins, je pense, jusqu'au printemps, si ce n'est jusqu'à la fin de l'été, ce qui est l'idéal parce qu'après, en automne, la saison de chasse revient. Et en plus de ça, parce qu'on va pas manger juste des protéines, eh bien, j'ai mes réserves dans des petits seaux qui sont très pratiques. Comme ça, ils sont à l'abri des souris et tout ça quand ils sont dans la caravane. Et là-dedans, j'ai plein de haricots, de pois chiches, de riz, quoi d'autre. Plein de choses comme ça, de haricots rouges pour faire du bon chili avec du chevreuil haché et avec des haricots rouges secs. Ici, j'ai mes réserves médicinales avec mes petites potions que je prépare à droite à gauche. J'ai quelques patates du jardin qui me restent et quelques courges ici et là que je mets un peu partout. Mais donc, pour tout ce qui est patates, les petits trucs, les verdures, un peu tout le kale et les laitues, je n'ai pas encore de système pour faire pousser ça à l'intérieur. Je pense que ce serait très pratique d'avoir un pot, une sorte de grand carré potager à l'intérieur avec une petite lampe au-dessus
Et c'est quelque chose que je pourrais fabriquer, mais que je n'ai pas fait cette année parce que j'ai eu tellement de choses de préparation à faire que, eh bien, voilà, on ne peut pas tout faire. Donc, je suis encore quand même dépendant de quelques voyages à l'épicerie pour ce genre de choses-là. De la même manière, je mange pas vraiment de laitage à part du fromage frais. Et évidemment, dans un contexte où on a une ferme un peu plus autonome, on aurait nos chèvres. 2, 3, 4 chèvres, ou mieux encore mieux des brebis, parce que le lait de brebis est encore meilleur que le lait de chèvre en termes de protéines et surtout de nutriments et aussi de saveurs. Et faire des fromages, comme je vous l'ai montré il y a plusieurs années dans plein de vidéos où je faisais mes fromages quand je vivais sur des fermes où on avait des animaux laitiers. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de comment on passe l'hiver ici. C'est vraiment la première fois que je suis si prêt à l'hiver. Je suis vraiment très prêt à l'hiver, c'est-à-dire que j'ai tout est prêt en termes de nourriture, de pour me chauffer, etc., etc. Et c'est le premier hiver qui est assez doux, ou enfin pas le premier, mais c'est l'hiver ici. Il fait très très doux. Normalement, il devrait faire un petit moins 20, moins 15, moins 20, et qu'on devrait avoir beaucoup plus de neige. Et la neige, elle vient, elle part, elle disparaît, elle revient. Ça fait que ça rend les choses très faciles, mais finalement trop faciles, limite. Donc on va pas se plaindre, mais à la fois, moi j'aime bien un bon hiver qui est un bon hiver fort. Et donc c'est assez intéressant de voir la montagne qui oscille entre un tout petit peu de neige et parfois des grosses tombées de neige, mais après qui retombe parce que les températures, elles fluctuent autour de zéro. Donc c'est assez intéressant de voir ça cette année. Donc sur ce, je vous dis bonne vidéo. Je reviens très très vite pour des grandes nouvelles. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. J'ai très hâte d'en parler. C'est très très bientôt que je vous en parle. Donc sur ce, prenez soin de vous. J'espère que vous aussi vous êtes préparés à cette belle saison qu'est l'hiver et au printemps et aux aléas de notre monde. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.